Oh oui, mon ami, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Oh oui, mon ami, oh oui, mon ami, oh oui, mon ami, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Oh oui, mon ami. Guadeloupe, bonjour la Guadeloupe. Bonjour la jeunesse, les hommes et les femmes qui marchent à Pointe-à-Pitre, qui sont aussi dans leur maison. On a un message pour vous, un message qui peut vous sauver, un message qui peut changer ta vie aujourd'hui. Bon Dieu, il est sauvé aujourd'hui là même, aujourd'hui là, bon Dieu, il est sauvé. Il est pas où? En espérance. Il est dans la vie en sens, en direction, en directive. Et pour cela, tu dois écouter la parole du Seigneur. Malheureusement, dans le monde, la parole du Seigneur n'intéresse pas les hommes. Les hommes sont occupés aux vacances, occupés à aller à la plage, à la rivière. Et on vit par film, c'est tout le temps les mêmes choses qui ne finissent pas, mes amis. Voilà la vie des hommes. Une vie où tu cours vers la vanité. Les hommes courent vers la vanité. Ils courent vers les choses qu'ils vont laisser lorsqu'ils vont mourir, mon ami. La mer, la plage, la fête, toutes ces choses. Quand tu vas mourir, tu vas les laisser, mon ami. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu est éternel. Celui qui a créé la terre et le ciel, il est éternel. Il ne périt jamais, mon ami. Voilà pourquoi toi qui passes aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, nous ne sommes pas des catholiques. Non, je te laisse samedi, nous prêcher la parole. On t'a appris que le dimanche était le jour de Dieu. Et toute la restauration humaine, c'est drogue, c'est fumée, c'est le péché, mes amis. Mais l'état, les hommes. Oh Dieu se vit du lundi au dimanche. Du lundi au lundi, de janvier à décembre, Dieu se vit toute une vie. On t'a appris à faire la communion. C'est quoi la communion? Pas ça. On t'a appris à te baptiser ton bébé à 2 mois. Quand ça veut dire ou pas ça? On confirme. Quand ça veut dire en pas ça? Mais l'état des hommes. Nous confessons des bêtes et nous pas ça qui bêtes nous fait, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup périssent. Beaucoup mènent une vie de désagrément, une vie de péché, de désordre. Ce matin, on t'annonce que le Créateur t'aime. Le Créateur ne veut pas que tu rentres dans une religion qui est au vide témoin de Jéhovah, qui est au vide adventiste, qui est au vide évangélique, qui est au vide mormon. À part ça, mon Dieu vidéo. Quand mon Dieu vidéo, c'est que. Ou obéir à parole. Ce que le Seigneur veut de l'homme, c'est que tu obéisses à ses commandements. Que tu aies la foi en son nom, mesdames et messieurs. C'est ça qui va te sauver. La foi en Jésus-Christ. À quoi bon mener une vie sans le Créateur, sans le Seigneur? Une vie de carnaval, une vie de zouké, une vie de péché. Une vie d'adultère, une vie de mensonge, une vie de débauche. À quoi bon mener cette vie, mes amis? Donc, je dis, madame, c'est radiment là. Je suis un gars pour moi, nous allons décoller. Mais c'est quand même parler de bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Si la tête tremble là, ou c'est le premier monde qui va crier bon Dieu, aïe bon Dieu. Tu es le premier qui va crier, oh mon Dieu. Si la terre tremble maintenant là, vous êtes vrai, c'est ça, vous êtes vrai. Continuez. Voici l'état des hommes. Ils s'en moquent du Créateur. Mais quand le malheur frappe à leur porte, ils invoquent le Seigneur. Ils invoquent Jésus. Ah, vous êtes vrai, la terre tremble, hein, pour voir l'état, les moqueurs.
Voilà le monde. Carnaval, carnaval, zouké, faire la fête. Hein? Wainé, wainé, bouillon, bouillonné. Mille états, mes amis. Continuez bouillonner. Pourquoi vous après la mort, on leur vient. Bouillonné, bouillonné, bouillonné. À 15 ans, pas bouillonné. Hein? Mille états, nous, mes amis. Et le Seigneur veut nous délivrer du bouillonnage. Nous délivrer du péché. C'est pour ça que Jésus est venu, mes amis. Et la Bible dit dans Jean 3,16, voilà le message, que Dieu nous a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui s'appelle Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'espérance qu'il y a dans le Seigneur. La vie éternelle. Quelle espérance qu'il y a dans le monde, mes amis? Hier, des gens faisaient les gros dos. Aujourd'hui, ils sont morts. Ils sont en 20 mètres sur la terre. Et les gens continuent à faire leur vie. Il en sera de même de nous autres. Voilà pourquoi ne cherche pas l'amour des gens. Même si vous ne pas aimer, en fait, vous êtes bon Dieu, mais plus que les amis. D'ailleurs, pour ne pas les amis sur la terre. Les vrais amis n'existent pas. L'ami par excellence, c'est le Créateur. C'est le Seigneur. Et il t'aime, Jésus. Il veut se révéler à ton cœur. Tu vois? Ne passe pas à côté de Jésus. Ne passe pas à côté de ton éternité, madame. Tu vois? On a mon calme tous les jours. Tous les jours, des gens décèdent. Tous les jours, des gens meurent. Mais j'aimerais te dire que, oh Jésus, tu as le pardon de tes péchés. Jésus pardonne tous les péchés. Il est venu pour traiter le problème du pécheur et nous donner l'amour. L'amour de Dieu, mes amis. Oh oui. Il veut te remplir de cet amour que la cigarette ne peut pas te donner. C'est une dépendance diabolique. Fumer la drogue est une dépendance diabolique. Ça fait chouer où? Et Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer, mesdames et messieurs. Viens, Seigneur. Tant que tu vis, tu peux être sauvé. Tant que tu vis, tant que tu respires, tu peux être délivré. Viens, Seigneur. Toi qui entends la parole aujourd'hui, mes amis. Bon, tu gardes aussi ta yaye. Oh oui. Mais tes oreilles peuvent quand même écouter la parole. La Bible n'est pas arrêtée par la bonté. Écoute la parole du Seigneur qui est en train de parcourir, mes amis, point à pied. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu es là, tu veux donner ta vie au Seigneur. Invoque-le aujourd'hui. Invoque-le maintenant. Parce que le Seigneur veut te chérir. Le Seigneur veut te chérir. Le Seigneur veut te remplir d'amour. Tu n'es pas abandonné, mon ami. Si les hommes t'ont abandonné, si ton mari t'a abandonné, si les hommes t'ont abandonné, si l'État t'a abandonné, laisse-moi te dire que le Seigneur t'a pas abandonné, mon ami. Les gens te regardent comme un moins que rien. J'aimerais te dire que le Seigneur te regarde comme sa créature, comme son enfant. Alléluia. Tu es l'enfant du Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu. Si vous trompez madame Mao, dis bon Dieu pardon. Et pardonnez-vous. Mais il faut arrêter de faire ça aussi. Si vous trompez Marie Mao, m'en bon Dieu pardon. Il peut pardonnez-vous. Tu fumes drogue. Tu vas fumer drogue. Mandez mon Dieu, libérez-vous. Il va te libérer, Jésus. Parce que tu es son enfant. Il t'a formé de la poussière. Mon ami, la poussière de la terre. Et il a soufflé dans l'homme le souffle de vie. L'esprit de vie. Sa vie qui est en toi. Ta vie n'est pas à toi, mon ami. La vie qui est en toi appartient au Créateur. Vous pouvez faire ça en faisant Viao. Viao,
Paka appartient à vous. Voilà pourquoi lorsque la mort arrive, tu ne peux que partir. Pourquoi? Ta vie ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Corps, c'est le temple de Dieu. Voilà le Seigneur veut habiter dans le cœur de l'homme. Alléluia. Viens Jésus. Il t'attend le Seigneur. Il t'attend. Toi qui es dans ta voiture, dans ta maison, abattez-moi là. Hein? Ou pas écouter. Mon Dieu, qu'il y a deux oreilles. Ah bah là, va te le mot, c'est malin, c'est ça. Mon Dieu, qu'il y a deux oreilles, c'est pour écouter ta oreille. Ah bah pour écouter Zouk, Carnaval, ah bah pour ça, mon Dieu, qu'il y a les oreilles à nous. C'est beaucoup de paroles là. Alléluia. Sortez de vos religions. Sortez de vos sectes, mes amis. Mon Dieu, pardon, pas religion. Ça, mon Dieu, c'est vie. Fais une alliance avec le Seigneur. Tu ne seras pas déçu, madame. Fais l'alliance avec Jésus. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il fera de grandes choses dans ta vie. Même si tu es en vacances, tu entends. Ne dis pas je suis en vacances. Ça ne me concerne pas. Beaucoup n'ont pas eu le temps de finir leurs vacances. Ils sont morts avant, mes amis. Beaucoup meurent avant de finir leurs vacances. Ah oui. La vie ne se résume pas qu'à l'argent. La vie ne se résume pas qu'à faire la fête. La vie ne se résume pas au sexe. La vie ne se résume pas, mes amis, à faire ce qu'on veut. On a été créé pour faire la volonté de Dieu. Marcher dans les voies du Seigneur. Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te juger. Il ne veut pas te condamner, mon ami. Voilà pourquoi toi qui entends cette parole ce matin, il est temps de te repentir du péché. Il est temps d'abandonner le mal. Oh, Pontapit, oh, Guadeloupe. Mes amis, comment nous ne parlons pas en l'air sans vie à eux? Bon, maintenant, je ne vais pas te louer encore parce qu'ils sont morts. Vous, quand on dit, pas piler, pas fouler un pied à eux. Ne foule pas au pied la parole du Seigneur, mon ami. Il est temps de te marier, de quitter la fornication, de quitter l'adultère, d'arrêter les bas douces. Hein? La pornographie, mes amis, l'inceste, alors en Guadeloupe, c'est le champion du monde de l'inceste. L'île champion du monde de l'inceste. Papa et Tifina couchent ensemble. Maman et Timouna couchent ensemble. Guadeloupe, Martinique, la Caraïbe, champion du monde de l'inceste. Champion du monde. Et bon Dieu, la voix. Et mon Dieu veut pardonner vous. Mon Dieu veut délivrer vous de l'inceste. En Guadeloupe, comme dans le monde aussi, non mais non qu'à marier à présent, mes amis. Mon Dieu créa Adam et Ève. Il créa hommes et femmes, mâles et femelles. T'as la femme de Gadi. Nous pas avons Kabi. Kabi qui a couché le chien. Nous pas avons aussi là, ça, mes amis. Nous pas avons poulet abrité ensemble. Nous parlons de ça. C'est d'être la plus intelligente qui nous, mes amis. Et aujourd'hui, lorsqu'on dénonce ces choses, les hommes ne sont pas contents. Les hommes sont prêts à te lapider. Parce que tu dis ces choses qui sont véritables. Après, j'en veux poule et pélican avec Timon. Ça va pas exister. Pourquoi? Parce qu'il aura obéi à sa bonté, mais c'est la terre qui est censée. Revenez au Seigneur, venez à la vérité. Sortez des magouilles. Et Jésus va t'éclairer. Viens à mon Dieu, Jean, il est là. Pas du beau parler, ni plein de Simon, ni plein d'autres Simon. En beau parler, viens à mon Dieu. Puis Jean, il est là, il est changé.
Viens Seigneur comme tu es. Et c'est lui qui va s'occuper de toi. Il va transformer ta vie. Tu ne pourras plus être dans la délinquance. Ou bébé était dans la délinquance encore, mes amis. Ou bébé est dans ses plans encore, mes amis. Parce que puissance à mon Dieu qui est délivré. La puissance de Jésus, mes amis. Et Jésus va te parler. Jésus va te révéler qui il est, mes amis. Alléluia. Il va te révéler sa parole, son évangile. Et les gens ne vont plus te reconnaître. Parce que Jésus est la lumière. Jésus est la gloire, mes amis. Venez à lui, Guadeloupe. Haïti, étranger qui est en Guadeloupe. Venez à Jésus. Et il fera de toi un gagneur d'âme, un pécheur d'âme. À travers toi, ta famille sera sauvée. À travers toi, des craqueurs, des délinquants seront sauvés. Tu as une mission, monsieur, madame. Et la mission que tu as, ce n'est pas d'être rebelle à l'autorité. Hein. Parce que beaucoup pensent que la vie se résume à vivre dans la rébellion. On s'en rebelle où, mais on s'en rebelle où, mais on s'en bloque là, ou ça ne va pas jouer. Mon ami, tu es qui toi? Qui tu es? Qui vous louiez? Poussière. Et en bas de terre, ou qu'est aïe contre tout le monde. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de jouer les godos. À devant mon Dieu, mon ami, nous sommes tous. On est petits devant le Seigneur. Qu'est-ce que t'as. À quoi rime ta vie? Enfin, on fait l'argent. On fait l'argent, papier. En fait, c'est ça l'argent. Là, papier. Les gens sont prêts à pour le papier qu'on appelle billet de banque. Le cas braqué, mon cas travail, volé, pour liquidité, si vrai papier. Le monde est plongé dans la violence. Le monde est plongé dans la rébellion. Le monde est plongé dans la sorcellerie, le péché, la haine, la violence. Il n'y a même plus l'unité, mes amis. On est sur une petite île. On est nous, c'est sous des nous. Mais mes amis, c'est le chaos. C'est le chaos, mes amis. Chacun veut faire sa propre justice. Alors que la justice véritable ne peut être accompli par les hommes, mais seulement par Jésus. Et c'est dans la prière que la victoire est remportée, mes amis. C'est pas en faisant la guerre. Je crois que quelqu'un entend ce matin. Je crois que ce matin, quelqu'un entend la parole du Seigneur. Vous voyez pas l'état du monde, les crises, les magasins qui ferment? Il est temps de chercher la solution véritable, qui est Jésus. La solution, ce n'est pas la galère des affaires. La solution, ce n'est pas attendre tous les février, chaque année, pour faire le carnaval, pour faire la fête, danser. Mon ami, il est temps que la Guadeloupe sorte de la fête. Nous sommes trop dans la fête. Il est temps de devenir sérieux. Il est temps de devenir enfant de Dieu. Il est temps de sortir de la malédiction. Et la Bible dit qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. En Jésus, Guadeloupe, ton salut, ta délivrance, ta restauration viendra seulement si tu donnes ton cœur au Seigneur. Guadeloupéen. Le Seigneur veut utiliser Guadeloupe. Parmi les nations. Oh oui, Guadeloupe. Le Seigneur veut utiliser Guadeloupéen pour porter la parole de vie dans les nations. Oh oui. Et quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, Guadeloupéen, ton combat ne sera plus charnel. Ton combat sera
avec le Seigneur dans la prière, mon ami, spirituelle. Parce que la Guadeloupe, quand on paye aux cibles, nous facile à prendre les armes. Ah, ça, nous champions. Hein. Nous facile à rebeller nous. Nous facile à faire la guerre. Nous facile à tuer. Mais c'est un combat charnel. Un combat qui va te conduire en enfer. En y sent chaud. Il est temps d'avoir le sang de Jésus-Christ dans ton cœur, mon ami. Guadeloupéen. Voilà le message. Parce qu'on peut gagner bon côté de la violence, hein, bon côté, en différents prières. Il est facile à dire non à l'État par rapport au vaccin. Il est temps d'avoir Jésus-Christ dans son cœur, mon ami. Et là, tu seras un vrai guerrier guadeloupéen. Oh oui, avec Jésus. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Guadeloupe, le Seigneur veut faire de toi la tête et non la queue. Guadeloupe, pour que la tête et non la queue, Guadeloupe. Hein. Alors, on va prier. Nous allons prier pour Guadeloupe soit la tête et non la queue. Il est temps qu'on soit la tête dans la vérité, dans la justice, mes amis. Il est temps que les préjugés puissent être brisés. Parce que là, l'Europe, quand voilà Guadeloupe, notre catalogue de quoi? Forme, faire la fête. Il est temps que ça change, mes amis. Il est temps que les hommes restent avec leurs femmes à la maison. Oh oui, on voit trop de femmes seules avec leurs enfants à la maison. Les femmes aussi, il faut commencer à prier le Seigneur pour que ta situation puisse changer. Oui, mi parole à mon Dieu. Mi parole à mon Dieu. Mais quand tu refuses Jésus, voilà la vie que vous allez mener. Une vie d'un homme si homme, femme si femme. La déchéance, le chaos. Parce que tu as refusé ton Créateur. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il vient et il détruit ta vie. On ne peut pas se vivre dans la fornication. La Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas du paradis. Fornication, hein? On y petit copain. Tu n'en as pas marre de ça, de cette vie-là de petit copain, de petit mari, même pas petit mari, petit copain. Nom si nom. Tu n'en as pas marre de cette vie-là de sexe en mariage, hein? Garder face à femme, veille femme, veille femme. Tu n'en as pas marre de cette vie, mon ami. Jésus est la solution. Qui va voir les femmes à carénage. Bon Dieu veut délivrer de ça, mes amis. Hein? On va prier que carénage fermé aussi. Que tout ça soit fermé au nom de Jésus-Christ. Que vous faites case, pas qu'être case en balance, ça fermé. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Une vie de débauche. Une vie de drogue, de péché. Et après, on va en enfer où, quand, mes amis? Hein? Voici l'état des humains. Le mal, le viol, le péché. Donne ta vie à Jésus. Il va te guérir. Guérir quoi? Guérir ton cœur. Guérir ton âme. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur et se baptiser, tu peux approcher, on va te baptiser. On va te baptiser. Viens, lui, on va le baptiser tout à l'heure, au nom de Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Où t'es là, où t'es pas là? Tu veux changer de vie? T'es chez toi, t'as entendu la parole. Où peut descendre? Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'appelle à son royaume éternel, à sa gloire éternelle. Oh oui, Guadeloupéen. Bon Dieu qui a existé. Il a dit bon Dieu la messe. Il a dit pourquoi mon Dieu? Faut mettre chapelet. Faut prier Marie. Faut prier statue. Ah oui, ça. Oh ça, ma grande Bible, mes amis. Oh ça, ma grande Bible. Que pourquoi mon Dieu faut prier la Vierge Marie? La Marie, c'est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de père ni de mère. Oh oui. Mais Jésus-Christ homme a eu une mère. C'est Jésus, c'est Marie. Il est passé par Marie, Jésus.
pour rentrer dans le monde. Parce qu'il fallait un sauveur à l'humanité. Il fallait quelqu'un qui soit juste, qui soit sans péché. Jésus-Christ. Le salut des hommes n'est pas dans leur homme. Hein? Le salut des hommes n'est pas dans le carnaval, n'est pas dans les boîtes de nuit, n'est pas dans le sexe, la pornographie, l'inceste. Tout ça là va te condamner, mon ami. Mais bon Dieu veut sauver. Bon Dieu veut délivrer à Mao des battes douces. Soyez en Guadeloupe. Battes douces et battes douces. Dans le monde entier, d'ailleurs. Et sous mon battre douceur, ou qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mes amis. Bon Dieu, pas que vous battes douces tout seul. C'est le péché, ça, mes amis. Ça. Revenez à Jésus. Venez à la vérité, mes amis. Et vous aurez la vie éternelle. Ton modèle doit être Jésus. Ton exemple doit être Jésus. Ce n'est pas la star que tu aimes à la télévision. Lorsqu'on voit mon loup, lorsqu'on voit, on va dire, ah, star, c'est un tel. Les gens prennent pour modèle Johnny Hallyday, les chanteurs, c'est ma star. Mais ils ont oublié la star des stars, le créateur des nations, le créateur des îles. Le créateur de notre corps, vous l'avez mis à la poubelle pour adopter des hommes mortels, pour adorer des hommes mortels, mes amis. Nous sommes de passage sur la terre. On ne vit qu'une fois. Oh oui, si tu meurs tout à l'heure, dans deux heures, si tu meurs. Tu m'entends? Je parle pour nous tous ici là. Si tu meurs tout à l'heure, dans deux heures, tu vas aller où? Ama, Olaïkeaï. Où ira ton âme si tu meurs dans deux heures là? Tu vas aller où? Parce que les médecins diront que tu es parti. Mais où tu vas partir? Tu vas aller où? Au paradis ou en enfer? J'ai tué personne. J'irai au paradis, je pense. Hein. Voilà comment vous pensez ici. Alors que tu as volé avant-hier, tu as triché. Toutes ces choses, fumer, coucher en mariage, toutes ces choses, mais en fait, c'est l'enfer qui t'attend. Parce que nous sommes sauvés seulement si nous nous sommes repentis et qu'on ait donné notre vie à Jésus. C'est seulement là que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés parce qu'on a donné une pièce de 2 euros à un SDF. Ah, j'ai fait du bien dans ma vie. J'ai mis une petite pièce pour un SDF. Une petite pièce de 2 euros, je pense que Dieu va m'accepter au paradis. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Voilà la vérité, mes amis. La foi en Jésus. La Guadeloupe a besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin, mes amis, de la religion. Tu as besoin de la foi en Jésus. Il est temps de voter Jésus. Vous votez tous les 5 ans de président. Tous les 5 ans, c'est des problèmes. Vous pleurez. Tous les 5 ans, tous les je ne sais pas combien de temps, on va voter un prochain maire. Le prochain maire, ben c'est le chaos. Vous ne pouvez pas avoir un problème, mes amis. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, on va voter des hommes. Chaque année, vous êtes déçus. Tous les 5 ans, vous êtes déçus. C'est normal. La Bible dit quoi? Il n'y a rien de bon dans l'homme. Voilà ce que dit Dieu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Même s'il est millionnaire, il est riche, tout ce que tu veux. Il n'y a rien de bon dans les hommes. C'est pour ça que la terre se joue sur le chaos en Ukraine, la guerre, toutes ces choses. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. C'est chaud, hein? Les gens disent Hitler. Ils sont comme Hitler, des meurtriers. Ah oui. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire du Seigneur, mes amis. Ah oui. Donc toi qui entends ce message, il est temps
que tu invoques Jésus et va te délivrer de la mort. La cigarette, ça va te tuer comme Johnny. Fumer tue, c'est écrit hein, sur le paquet de cigarettes. Fumer tue. Mais les humains, ils aiment la mort. Ils n'aiment pas la vie. Et Jésus veut leur donner la vie, la santé, mes amis. Il est temps de prier Jésus. Oh, je suis athée. Non, arrêtons, tu n'es pas athée. Tu as déjà crié au mon Dieu. Oh, je suis athée, mon ami, tu n'es pas athée. Tu as crié au mon Dieu avant-hier. Arrêtons l'hypocrisie. Athée quoi? Tu crois pas que Dieu a créé l'océan? Tu crois pas que Dieu a créé les palmiers là-haut là? Tu crois pas que Dieu a créé les rivières, les poissons? Comment on peut être fou ainsi, mes amis? On ne va pas parler des bons dieux depuis des années, des siècles, bon Dieu. Oui, il est éternel, mais toi tu vas passer toi. Donc voilà pourquoi ne rate pas le Seigneur, ne rate pas la parole de Jésus, ne rate pas l'évangile, fais la paix avec le Seigneur, quitte ton péché, quitte ta fornication, tes films porno là, quitte ça, abandonne ça mon ami, habillez-vous décemment, rangez vos fesses, rangez vos corps, on leur a dit mes amis que tout, c'est chaud mes amis, mais il n'est pas bon, hein? Il faut ranger les fesses derrière un t-shirt comme il faut. On n'est pas carré, on a dit carénage tout partout, partout, carénage mes amis. Les gens vendent leur corps gratuitement aujourd'hui, mes amis. Voilà le monde aujourd'hui. A qui dit la vérité, hein? A qui parler? C'est pas pour vous condamner, hein? Rassurez-vous. Hein? C'est une réalité. Jésus, il veut t'habiller de sa présence, de sa gloire. Alléluia. Et oui. Il est parti. Hein? Il revient. Mes amis, ça va, jeune homme? Tu crois en Dieu? Tu sais que Dieu existe quand même. Voilà, t'as déjà crié mon Dieu, non? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh oui, il existe, mes amis. Il s'appelle Jésus, il t'aime. Il faut juste l'invoquer dans ton cœur. Il va te sauver, te pardonner tes péchés. Jésus, il s'appelle. Il revient bientôt. C'est la fin que nous vivons aujourd'hui, mes amis. Dans très peu de temps, dans un temps qu'on ne connaît pas le jour, il va y avoir un événement terrible. Je finirai par là. Il va y avoir l'enlèvement. Note bien ce que j'en... Il faut bien enregistrer. Même, tu peux même filmer même. Il va y avoir l'enlèvement bientôt. Un enlèvement qui sera à l'échelle mondiale. Ouvrez vos oreilles. Hein. Parce que le Seigneur, dans sa parole, dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, a déclaré que au son de la trompette, il va y avoir la résurrection des morts en Jésus-Christ, qui sont morts dans le Seigneur depuis des siècles, des années. Ils ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui sommes restés sur la terre, comme aujourd'hui, comme peut-être demain, eh bien nous serons aussi enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et sur la terre là, il va y avoir un jugement que tu ne peux même pas imaginer. Corona, c'est rien à voir. Déjà, Corona a fait trembler toute la terre. Un microbe invisible a fait trembler tout le monde. Je me suis rendu compte que tout le monde croit en fait que Dieu existe. Parce qu'ils ont cru au corona qui est invisible. Ils ont eu la foi. Ils ont pris les précautions parce que, ben, faut pas mourir. Donc ils peuvent aussi croire en Dieu qui est aussi invisible. Oh oui. La foi. Voilà pourquoi, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, sur la terre, il va y avoir des cris, des pleurs et des grincements de dents. Ce que tu entends aujourd'hui là, tu vas jamais l'oublier, mon ami. Oh là 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 là. Tu ne vas jamais oublier ce que tu entends ce matin. Les enfants de bas âge, eux aussi seront enlevés. Les bébés de bas âge seront aussi enlevés. Donc imagine-toi dans ton ventre, il y a un enfant. Le Seigneur revient, il prend aussi l'enfant. Les amis, les gens vont être choqués.
le Seigneur va épargner de la terre les justes. Du jugement, les justes. Et beaucoup seront marqués, donc par la Bible, de la marque de la bête, le 666, qu'aujourd'hui beaucoup font aujourd'hui. Il y a une réalité derrière ces choses, mes amis. Et la Bible nous dit que sans la marque de la bête, nul ne pourra ni acheter ni vendre. Et ceux qui accepteront cette marque seront condamnés. Et ceux qui la refuseront, ben tu diras, tu ne pourras plus manger, tu ne pourras plus faire tes courses. Tu seras mis à mort, tu seras persécuté. C'est à ce prix-là que tu seras sauvé, au prix de ta vie. Tandis que là, le Seigneur te dit, donne-lui ton cœur, viens à lui comme tu es. Et la foi en sa parole, et la foi en Jésus-Christ. Il est temps de quitter, mes amis, le mensonge. Et le mensonge est vaste. La tromperie, l'usurpation, le péché, les viols, la haine. Gardez ça fait. Tout ce qui est derrière ça, mes amis. Il faut laisser ça, mes amis. Il est temps de prier Jésus. Il est temps de prier le Créateur. Il est temps de quitter le dancehall. Oh oui, de quitter le zouk. C'est l'heure du salut. C'est le temps du salut. C'est l'heure de donner sa vie à Jésus. C'est l'heure de se repentir. C'est l'heure de la foi, mes amis. Ce n'est plus le temps de s'enrichir. Ce n'est plus le temps, mes amis, de courir après la vanité. C'est le temps de sauver son âme. C'est le temps d'abandonner le péché. Oh Guadeloupe, qui entendra ce message? Qui écoutera ce message? Qui recevra ce message? Oh Guadeloupe, oh Guadeloupe, c'est au temps, Guadeloupe, oh oui, de recevoir la vérité, d'entendre la vérité, d'entendre la voix du Créateur qui est en train de parcourir. Mes amis, prends ta vie. Sortir au péché là, mes amis. Sortir en drogue là. Sortir en alcool là. Il est temps de quitter le péché. Repentez-vous. L'heure est grave. Oh oui, l'heure est grave. Regardez l'état de la Guadeloupe. Regardez l'état du monde, mes amis. Il y a que la parole du Créateur qui peut sauver un homme. Il n'y a que l'évangile qui peut sauver un homme. La solution, c'est dans la parole de Dieu. Oh Guadeloupe, mon Dieu, mes Wallons. Oh Guadeloupe, le Seigneur t'aime. Oh oui, il t'aime, le Seigneur. Il ne te condamne pas. Oh Seigneur, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, prendre son baptême, tu peux venir. Vous pouvez quitter drogue là, cigarette là, le péché, l'adultère, la fornication, tu veux te marier, eh bien, on va prier pour toi. Oh oui, mes amis. Sans temps pour repentir, sans temps pour babondir via, sans temps pour vrai l'état, mes amis. Oh l'homme, on a dit fait là, on en fait où? Alors vous n'en dites là, il y a un enfer, mes amis. Ou bien mounouillé, ou bien ni gros dos, ou bien ni gros rasta, gros lock, tout ça en fait. Ou bien ni l'envé, l'argent fait. L'envoi la mort qui est trappée, ou qui est parti, mes amis. Moun si la tête dit où? RIP, il y a un paradis à papa là. En volé, il y a un paradis à papa là. On se moque de qui, mes amis là? Venez à Jésus. Il est temps que tu abandonnes le bas douce. Arrêtez le bas douce. Hein? Faut pas abandonner via l'envoi, il est là. Faut pas abandonner via. Il est temps d'abandonner le Mayemé. Hein? Il est temps de quitter Shiva. Hein? En bon Dieu, à 10 jambes, 10 pieds. Hein? À pas ça qui est bon Dieu. Bon Dieu, c'est Jésus.
lui grand bon Dieu, Jésus-Christ. En hébreu, Yeshua. Lui grand bon Dieu, pas Allah, nous bon Dieu. Parce que si bon Dieu nous résine Allah, alors pour que ces moulins qui t'appuient Allah là, ils ont été mis en parce que bon Dieu crée Adam et Ève. Bon Dieu n'a pas créé Adam et Ève, c'est Ève. Qui bon Dieu fait ça? Qui bon Dieu ça? Ah, pas bon Dieu, moi, il fait ça, mes amis. Bon Dieu, moi, créé un seul qu'est. Ok pour aimer un seul madame. Ils ont fait plein de familles ça dans le cas. Qui bon Dieu ça? Parole à bon Dieu, pas dit ça. Bible n'a pas dit ça. La Bible n'enseigne pas ces choses. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth veut te sauver. Veut te sauver du diable. Il veut te sauver du diable. Des tatouages. Oh oui, le tatouage là, mes amis, c'est une porte pour le diable, pour les démons. Si vous faites, on dit que pardonnez-vous. Il veut te sauver, le Seigneur. Il veut te délivrer. Des mini-jupes. Hein? Il est temps de se réveiller. Il est temps de donner sa vie au Seigneur. Ils n'ont pas gens contents en Guadeloupe. Quand ils ont fait en Guadeloupe, quand ils ont fait. Ils n'ont pas gens contents en pays là, ça, mes amis. Quand ils ont fait. Hein? On parle du Seigneur, ils ne sont pas contents. Hein? Un peuple toujours en train de râler. Vous n'avez pas gagné un problème, mes amis. Un peuple entre tout le monde râler, critiquer. Mes amis, il faut se réveiller et venir à Jésus pour que le Seigneur puisse te transformer. Il transforme les cœurs brisés. Et je crois que tu seras la tête et non la queue. Je le proclame. Même si vous gilez, moi, je n'ai pas prié que mon Dieu sauve. Je n'ai pas prié que mon Dieu touche la main. Et vous voyez. Ok, comme on s'est prêché comme nous parlons à mon Dieu aussi. Ah, je crois, on va prier. Je proclame, nous proclamons dans ce pays. On proclame, papa, que des hommes, des femmes puissent, papa, se lever. Père, que le vent de l'esprit, que le feu de l'esprit puisse se répandre sur la Guadeloupe, papa. Oh Seigneur, on prie que la drogue puisse sortir du pays, que la délinquance soit brisée, papa. On prie, papa, que les femmes se marient dans ce pays. On oh Yeshua! Oh Laikina Mama Braitra! On prie papa que carénage, il n'y ait plus de prostituées. On prie papa que les gens travaillent en Guadeloupe, que le travail naisse, que la jeunesse se réveille. On prie que la Guadeloupe soit un peuple modèle. Qu'il n'y ait plus de meurtres en Guadeloupe, que les meurtres puissent s'arrêter. Au nom de Jésus! Il prie à mon Dieu. Chikamama. Oh Kaita. Que le bouillon s'arrête. Que la nudité s'arrête. Au nom de Jésus. Mes amis. Oh Père, on prie. Que les familles soient plus brisées. Que les hommes ne puissent plus abandonner leur femme. Que le Seigneur fait si vous êtes marié. Elle veut même mon papa. Il prie à nous, Babadou. Que le travail en Guadeloupe. Que je réussis, nous qu'à bénir en Guadeloupe. Mes amis, on bénit pour lui, on bénit pour Tapis, on bénit en Verdun, nous qu'à bénir Bastet, nous qu'à bénir Grandet, au nom de Jésus. Les quatre coins de la Guadeloupe soient visités par la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, le quadrillage. Bangalore, des Irades. Les îles, les Caraïbes, le feu. Que les maladies soient brisées, que les malades soient guéris dans les hôpitaux. Oh Père, que les malades se réveillent, que les malades soient guéris maintenant, que des miracles se produisent dans les hôpitaux. Shikaya. Alléluia. Oh Père de gloire, qui des entrepreneurs qui naissent à Guadeloupe, des hommes en Guadeloupe qui puissent entreprendre, être des modèles, qui puissent dénoncer le péché, dénoncer la drogue, dénoncer l'inceste, dénoncer le divorce, au nom de Jésus. Oh Père de gloire, Jésus, que
que ton pied puisse se poser en Guadeloupe. Oh papa, tu vois papa la magie, la sorcellerie, le vaudou dans cette île. Père, nous brisons ces choses. Là, beaucoup papa ont été envoûtés pour qu'ils puissent être dans le crack. On prie pour eux qu'ils soient délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. La place de la victoire. Que la gloire du Seigneur puisse se répandre sur cette place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la Guadeloupe puisse réussir. Que la Guadeloupe soit la tête. La tête. La tête et non la queue. Alléluia. Que la jeunesse travaille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu papa puisse se répandre sur cette île. Que la nudité puisse cesser. Que la pauvreté soit brisée, papa, sur cette île. Nous appuyons. Au nom de Jésus. Voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat à mener. Priez, mes amis. Je vous dis la vérité. Dans la prière, Guadeloupe, vous êtes victorieux. Radjouli. Vous êtes victorieux dans la prière. Que des hommes en Guadeloupe puissent, papa, au Père, se réveiller, être touchés par la parole, par l'évangile. Que les églises, papa, au Père, où ton nom n'est pas glorifié. Que les églises voleurs, les églises où on pousse les hommes à adorer les statues, les images taillées, adorer les prêtres pédophiles, on prie que ça ferme. Que la Guadeloupe se réveille et se rende compte de la supercherie des églises catholiques. L'idolâtrie, l'idolâtrie. Ouvre tes yeux, Guadeloupe. Ouvre tes oreilles, yao. Ouvre tes yeux, yao. Gardez la supercherie. Supercherie. Tombeau blanchi. Repère de démons. Repère d'idolâtrie. Voici vos églises aujourd'hui. Bon Dieu pas Adam. Si bon Dieu était Adam, ils ont parté dans le carnaval. Ils ont parté Adam. Regardez-vous. Ils ont été on a parlé qu'on a parlé là. Parce que bon Dieu a dit, allez, faites des nations de disciples. Des disciples. Matthieu 28. Voici la parole du Seigneur. Oui, mis par là, mon Dieu. Que toutes ces églises-là, que mon Dieu pas glorifié, que ça ferme et que vous nous vésiez à yo. Que vous nous vésiez à yo et rencontre, on y compte, bon Dieu pas d'habitat adventiste. Le maître du sabbat, c'est Jésus. Hypocrite. Hein? Samedi, vendredi, samedi, on va faire sabbat à moi. Et là, ça finit, on va continuer, j'irai mon menti. Hypocrite, hypocrite. La religion, c'est l'hypocrisie, mes amis. Une apparence pure, mais au-dedans, race, repère de démons, le mensonge règne, le péché règne, le racisme règne. Et religieux, je suis une propre religieuse. Je suis religieuse. À part ça, bon Dieu, bon Dieu, que vous aimez prochain encore vous-même. Mais ça, mon Dieu. Guadeloupe, c'est ton temps, Guadeloupe. Je crois que il va se passer quelque chose en Guadeloupe. La parole du Seigneur va retentir de plus en plus dans les rues, dans les quartiers, devant les églises, là, vous allez voir. Des gens vont aller proclamer la vérité. Il va y avoir un feu terrible que le Seigneur va répandre sur cette île. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Des jeunes délinquants vont se lever et renoncer à la drogue, renoncer à cette mort à petit feu. Jésus est la solution. Jésus est la délivrance. Venez à Jésus Guadeloupe. Priez Jésus Guadeloupe. Priez le Créateur Guadeloupe. Invoque-le aujourd'hui. Aujourd'hui. Invoque Jésus, invoque le Créateur. J'en ai même pour invoquer. Il garde un nouveau chemin. Le Seigneur t'attend.
Parce qu'il veut te délivrer du diable, des démons, la pornographie, mensonge, inceste, sodomie aussi. Bon Dieu, pas créé faire ça pour ça, là, écoute. Bon Dieu, pas créé des hommes. Bon Dieu, créé non et femmes. Il va créer pour ma coumé. Bon Dieu, créé pour marier avant madame. Il veut délivrer. Bye, via. Il veut changer, Guadeloupe. Parce qu'il t'aime Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Et je t'aime aussi. On n'est pas là pour te condamner. On est seulement des voix qui parlent. Après ça, pourquoi faire ça au V? Ou libre arbitre, non? Libre arbitre. Sauvez mon Dieu, mon Dieu, via où? Que vous pouvez battre ma joie de là, la vie, où? On va te baptiser à la mer direct. La mer et le Seigneur va se charger de ta vie, mon ami. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Oh là là, il est terrible. Il est terrible, Jésus. Le Jésus ressuscité. Le Jésus qui guérit. J'ai pas parlé des gens là, c'est parce qu'il guérit moi dans ma maladie, moi qui est mort avant. Il guérit moi, il délivre moi. Apparemment, pas les deux. Hein. Moi, je me dis, il fout, peut-être, il m'a fumé drogue, mes amis. Il m'a fumé drogue. Nous tellement mal parlé au pays là, ça, mes amis. Pas bon. Depuis que nous avons sorti de l'ordinaire, par rapport à ce qu'on a fait, ah, mais c'est bizarre. Mais là, on voit, vous m'avez tout dans la rue là, ça ne va pas déranger, vous aimez ça. Pour ne pas déranger, pour ne pas inquiéter. Mais bon Dieu, je vous ai dit que la parole là, qui est sauvée, soit acceptée en vie. Celui qui prend le baptême, venez. Le vrai baptême, mais pas le baptême qu'on t'a fait quand tu étais petit. Hein. Tu avais 2 mois, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu n'étais même pas conscient. On t'a baptisé. Et bien, on va changer. Pas vrai, il y a un problème. Hein. Mon Dieu est sauvé. Ouais. Il est temps que tu abandonnes toutes les petites copines là que tu as. Les petites copines, tout ça. Voilà. Cette vie-là, il faut la changer. Le Seigneur t'appelle. Guadeloupe. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh Seigneur. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Papa, il est sorti, papa, autre chose, il est sorti.
Joris, on va passer le numéro de ta mémoire.